Yo yo yo! Comment ça va l'équipe? Encore une belle journée de streaming qui s'annonce. Bienvenue à tous. Non, c'est pas pour le brevet malheureusement, CLA. YTB, j'aime pas du tout le propos que tu tiens actuellement. C'est pas du tout le pire recueil qui puisse exister, c'est trop bien, les fleurs du mal. Trop 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 bien. Salut Majed, ouais, c'est bien la vidéo, enfin c'est bien le stream sur les fleurs du mal, ouais. Tu verras, YTB, c'est pas si compliqué. Salut Mohamed. Très bonne blague, ça me plaît. Salut Younes. Salut Henri. Bienvenue à tous, salut Ali. Bon, est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui là? C'est le dernier stream. Le dernier stream pour le bac de français qui a lieu jeudi, les gars. Il y a toujours des chances de tomber sur la poésie, il y a des chances de tomber sur tous les objets d'études de Mina. Salut Enzo. Ouais, c'est pour le bac, Groovia. Bienvenue. Bien vu, Younes. Kozuki, ça va tranquille. Est-ce qu'après le live sur la dissertation, on pourra mettre en commun le plan pour le commentaire d'hier? Bah en fait, je propose qu'on commence par ça, rapidement, tu vois, on y consacre un quart d'heure, Kozuki. Et ensuite, on se lance dans cette belle œuvre, cette sublime œuvre. Que sont les fleurs du mal? C'est une révision en philo? Non, désolé HDCG, c'est bac de français là. Salut Amir. Salut Jian. Salut Kadiatou. Salut Sef. Salut Charlotte. Waouh, il y a du monde là. Vous êtes chaud ou quoi? Ouais, 2068, il y aura une rediff normalement. Je saurais pas te dire où, mais. Waouh, il y a du monde. Ouais, 100 viewers sur YouTube, c'est parti! C'est parti de ouf. Salut Jean-Baptiste. Comment on fait pour partager nos plans? Bah, je propose que tu m'envoies dans le chat juste tes grandes parties et on voit ce que ça donne. Trop cool Amir, c'est bien d'avoir fait le plan hier. Salut Xdemos. On va aborder quoi sur les fleurs du mal? Alors aujourd'hui on va bosser sur la disserte. Ah, on a perdu du monde niveau YouTube. Ouais, salut Asmeniae, t'as vu ça? Ça pète hein, les 100 viewers. On est 97 là en tout. Actuellement. Salut Victoria. Du coup, juste. Attends. Mina, on va aborder une disserte. Aujourd'hui, on va travailler sur la disserte sur les fleurs du mal. Et du coup, bah, le principe, c'est que bah, on réfléchisse ensemble à des idées. Et voilà, donc ça va être cool. Alors, attendez. Ça fuse là, les messages. T'as ton plan d'hier, Quentin, c'est très très bien. Salut Marzuki. Est-ce que j'ai déjà fait des lives sur les autres thèmes, Mina? Oui. J'en ai fait un jeudi sur l'argumentation, un vendredi sur le théâtre, dissertation sur le théâtre, commentaire sur l'argumentation du coup, commentaire hier sur le roman, et aujourd'hui, bah, dernier live, dissertation sur la poésie. Toaïna, nous le bac français, on l'a déjà passé, on a eu comme sujet, est-ce que La Princesse de Clèves est un roman de la dissimulation? Super sujet. C'est un très très bon sujet, Toaina. Tu l'as passé où? C'était quel pays? Salut Oriana. Bien vu si vous êtes chaud. Enzo ou grand. Alors attendez. Maintenant je lis vos plans. Younes, grand 1, un portrait fantastique, thème de la magie, une disparition du réel au profit du fantastique, une ambiguïté typique du fantastique. Grand 2. Pas mal, j'aime bien ton grand 1, Younes. Grand 2, une ambiance macabre, thème de la mort, fréquent mélange de surprise et d'incompréhension, peu confortable, ambiance sombre mise en valeur par le clair-obscur. Grand 3, un surnaturel divin, divin ou diabolique, allusion à l'enfer, personnage aux allures divines, une rencontre biblique. C'est pas mal, c'est quoi la problématique? Et faut que tu fasses très attention avec le terme clair-obscur, parce qu'au départ c'est un terme de poésie, comme je pense que tu le sais. Donc, j'ai dit de peinture, j'ai pas dit de poésie, je viens de. J'ai pas. Et ouais, donc faut faire gaffe à ça parce que. Bah, si tu te. Enfin, si tu précises pas, ils vont se dire, ils confondent la littérature et la peinture, et là, c'est un problème. Faut bien que tu dises, il y a un espèce de clair-obscur littéraire qui se passe, et c'est ça qui crée le paradoxe. Enzo Rouge, j'attends la suite parce que du coup, on a le ton grand 1, mais on n'a pas la reste. On n'a pas la reste. YTB jeudi il fait 31 degrés, bonheur, bonheur absolu. Il n'y a pas de la clim en plus dans la majorité des lycées. Mais tu dis-toi, là, il y a mes rideaux qui absorbent absolument toute la chaleur.
Donc mets-toi à ma place, là j'ai 1h30 de live à faire dans une chaleur épouvantable. Grand 2, un antiquaire troublant, ouais, pas mal. Comment on fait quand il fait cette chaleur? Bah, on prend de l'eau déjà. Prenez vraiment toutes vos précautions, encore une fois, empreinte carbone, on s'en fout. Là, vous tapez dans tout ce que vous avez. Vous prenez des barres énergisantes, genre des barres Ovomaltine, des trucs bien lourds, bouteilles d'eau, etc., etc. Vraiment, prenez toutes vos précautions. Amir, dis-nous quand on met le plan. Vas-y, vas-y, mets-le dans le chat, Amir. Désolé, je prends trop de temps là. HDCG, c'est trop simple, les fleurs du mal. Va réviser ta philo. Oui, moi je suis d'accord. Enfin, c'est pas trop simple, mais c'est trop bien. Et quand t'aimes bien ce que tu fais, ça paraît forcément plus simple. Donc, si ça t'a plu, tant mieux. Et je t'invite à rester pour qu'on en discute ensemble. Parce que, en vrai, le sujet de dissert, il est pas mal. Là, il est un peu troublant, le sujet que j'ai choisi. Martello, je suis en quatrième année d'études sup et j'ai jamais eu la chance de remercier les bons profs pour tout cet accompagnement scolaire qui m'a sauvé. Bah, ça fait trop trop plaisir, Martello. Je voudrais remonter l'info à mes boss, du coup, vu que moi, vous en doutez, je ne suis qu'un employé des bons profs. Mais ça fait trop plaisir. Et les messages comme ça, c'est super touchant et c'est trop agréable. J'en avais eu pas mal là quand on a repris les lives en octobre pour en faire pendant l'année. Il y en a plein qui sont revenus de quand on avait fait des lives en juin dernier, juste avant le bac, là, comme on fait là, pour me dire, ouais, Clark, je voulais te remercier, nanana, j'ai eu des notes de fou au bac français, et merci, genre, c'est grâce à toi. Bon, c'était forcément pas intégralement grâce à moi, mais ça fait trop plaisir de voir qu'on vous est utile, et parce que nous, on fait vraiment ça juste pour ça, quoi. Kozuki, pour le plan d'hier, au début, j'avais mis, le lecteur et Raphaël sont confrontés à une vision horrifiante et surnaturelle du vieil antiquaire. Une critique de la science cartésienne. Ouais. T'as beaucoup de choses à dire sur la critique de la science cartésienne, parce qu'en soi, il fait référence à ça, mais faut connaître Descartes si tu veux élaguer là-dessus. Est-ce qu'il existe un film sur ce livre? Les fleurs du mal? Non, malheureusement, je pense pas, parce que c'est un recueil de poèmes. Donc, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est pas tissé. Après, tu peux tisser des choses, mais non. Y a, normalement, je, enfin, en tout cas, pas à ma connaissance, c'est là. Mina, les autres thèmes sont en rediff? Oui. Absolument. Younes, mes grandes parties plus simples. Un portrait fantastique, une ambiance macabre, un surnaturel divin, j'aime bien. Pour moi, ouais, Younes, t'es au taquet, hein. Pour moi, là, au plan que je suis en train de lire, je remarque pas assez l'espèce de la confrontation entre le réalisme balzacien et le fantastique de cette scène. Et je pense que ça, c'est un truc sur lequel il y avait pas mal de points à grappiller. Parce que bah, c'est un truc. Ça montre d'abord votre culture littéraire, vous savez que Balzac est un réaliste, etc. Et confronter ça avec le fantastique de la scène, je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire et que ça aurait pu être vraiment enrichissant. Problématique, Amir Jay, nous verrons dans ce texte les différentes facettes de cette rencontre inattendue. Ouais, alors c'est très très bien, mais faut quasiment toujours, enfin je te recommande très très fortement, Amir, de poser ta problématique en question. Nous demanderons. Comment ce texte expose les différentes facettes d'une rencontre inattendue, tu vois. Mais faut toujours le poser en question parce que sinon, soit c'est pas assez clair, soit c'est pas ce que le correcteur attend et ça peut te coûter des points malheureusement. Comment Balzac oppose-t-il dans ce texte le naturalisme et le fantastique? Alors, c'est le réalisme, Quentin, mais c'est ça, c'est très très bien, j'aime bien. Peut-être un peu trop vague, mais j'aime bien, c'est pas mal. Amir J, grand 1, une rencontre à double tranchant, ça c'est super. Ionèse, problématique. Comment Balzac, dans ce portrait lugubre aux apparences fantastiques, crée-t-il une ambiance surnaturelle, une connotation religieuse aux visiteurs? C'est bien. Je pense qu'on aurait pu enlever la connotation religieuse. Parce que dans tous les cas, tu mets surnaturel, ça suffit, tu vois, et tu développes sur la partie religieuse surnaturelle, vu que bah, ce qui apparaît comme divin est surnaturel en soi. Enfin, c'est des événements que nous, on peut pas expliquer. Tu vois ce que je veux dire, Ionèse? HDCG, si vous tombez. Le mort joyeux pour l'oral, vous aurez large la moyenne si vous avez bien compris le texte. En vrai, la majorité des poèmes, c'est le cas. Mais oui, t'as raison. Moi, j'étais tombé sur Les Fleurs du Mal de Baudelaire à l'oral. J'ai eu 16. C'était sur la première lecture analytique qu'on avait faite. Donc, forcément, celle que je connaissais le mieux. C'était à une passante. Si t'as dit poésie, mais comme tu te corriges, tout va bien. Ah, pardon. Merci, Asmenioy. Alors, Amir. Ah, une surprise divine. B. L'esprit de Raphaël troublé. C. Deux côtés paradoxaux, une obscure clarté. Pas mal. J'aime bien.
Grand 2, un monde surnaturel. A, une fissure abyssale entraînant une atmosphère macabre. Champ lexical de la mort et de la peur. Un enfer caché. Waouh, Amir, t'es chaud, hein. Lucas, grand 1, une apparition fantastique. Figure surnaturelle, mystérieuse, association religieuse et mystique. Grand 2, une rencontre avec le divin. Perte de raison de Raphaël, doute cartésien. Pas mal, j'aime bien ça aussi. Comment Balzac construit-il la rencontre perturbante entre Raphaël et le divin? Ça, c'est une super problématique, parce que bah, du coup, tu poses des questions sur la structure même de l'extrait. D'accord, je parlerai d'une sorte de clair-obscur littéraire. Exact, c'est bien de... faut juste le préciser, quoi. Problématique. En quoi la création d'une atmosphère fantastique permet l'introduction du vieil antiquaire? J'aime bien. J'aime bien. Kozuki. Grand 1. Le lecteur et Raphaël sont confrontés à une vision horrifiante et surnaturelle du vieil antiquaire. Grand 2. Une critique de la science cartésienne. Ok. Je capte que t'es pas trouvé de problématique. Pour moi, ça c'est un grand 2 un peu risqué parce que je sais pas si t'auras assez de choses à te dire dessus, quoi. Enzo, grand 1, une atmosphère fantastique, le point de vue, le rêve, l'image de l'enfer. Grand 2, un antiquaire troublant, la mort personnifiée, pas mal, j'aime bien. Une description étrange, un personnage diabolique. Ouais, alors moi j'ai juste peur que tu te répètes dans le petit 1 de ton grand 2 et dans le petit 3 de ton grand 2, mais sinon c'est super. Carla, un portrait endiablé. Grand 2, une atmosphère lugubre, grand 3, une rencontre inattendue. C'est super. C'est super, et si dans la rencontre inattendue, tu peux développer un peu plus sur justement en quoi c'est paradoxal. Parce que c'est inattendu pour le lecteur de voir que bah, on s'attaque à du fantastique alors que c'est censé être un roman réaliste. Et ça peut être très intéressant, il y a des choses à faire. Quentin. Grand 1, une atmosphère fantastique. A, une description divine. B, le rêve de Raphaël. Grand 2, la réalité de l'antiquaire. Grand, petit A, décalage entre le rêve et la réalité. Un vieil homme fragile représentant la mort. Ouais, mais c'est pas seulement un vieil homme, parce qu'il a une figure de jeunesse quand même, c'est très bizarre. Salut Mathis. Maged, en gros là c'est la création d'un plan comme si on était au bac. Oui, Maged, en gros je t'explique le format. Là on est 86, et on va faire comme si on était qu'un seul cerveau, et on réfléchit ensemble, avec le sujet de dissert que je vais vous donner dans peu de temps. Et on réfléchit ensemble, etc. Et on fait une espèce de... Enfin, et comme ça, ça me permet de vous montrer un peu la méthode que moi j'ai utilisée au bac et qui m'a servi. Et qui m'a servi ensuite en prépa et tout. Pour les autres dissertations que j'ai faites. Et vous, bah, j'espère que ça vous est utile pour jeudi prochain. C'est quoi le sujet de dissert? Je te spoil rien tant qu'on n'a pas fini. Mathis, on t'envoie le plan dans le chat, t'inquiète, il n'y a pas de galère. Dissertation, c'est 4 sous-parties minimum ou 6? Le mieux, dans l'idéal, faut toujours avoir sous-partie. Peu importe si c'est commentaire ou dissert, faut toujours faire 6 sous-parties parce que c'est pas... Sinon, c'est pas... Il y aura pas assez de contenu, en fait. Ou alors, tes sous-parties seront trop longues et c'est pas agréable pour le correcteur. Donc, soit tu fais 3 parties avec 2 sous-parties chacune, soit tu fais 2 parties avec 3 sous-parties, ça, c'est libre à toi. School, il y a des adaptations au théâtre des Fleurs du Mal. Ah ouais? Je savais pas. J'en avais vu une avec ma classe. Bah en vrai ça c'est trop trop cool. C'est super pratique. Amandine, salut tout le monde. Salut à toi. Anya, plan. Grand 1, une atmosphère fantastique. Petit 1, un cadre réaliste immergé dans le surnaturel. Petit 2, un monde de mort. Petit 3, à connaissance plutôt maléfique. Grand 2, rencontre avec un vieil antiquaire à première vue énigmatique. Petit 1, apparition d'un homme sans apparence humaine. Bah si. Mais l'apparition n'est pas humaine, mais l'homme, enfin le personnage en lui-même, si. Un personnage qui s'approche du caractère religieux, ça c'est pas mal. Un personnage finalement mystérieux au caractère divin. Ouais, mais fais gaffe de pas te répéter dans ton petit 2 et ton petit 3 de ton grand 2. School, c'était une histoire et de temps en temps il chantait certains poèmes. Bah vraiment c'est cool, c'est trop bien. Après enfin je vois pas comment ils ont réussi efficacement à tisser une histoire à travers les poèmes, mais s'ils ont réussi, bah c'est super bien. Mathis, problématique. Il convient donc à se demander comment Balzac met en lien le réalisme et le fantastique. Super. Plan, grand 1, le diabolisme et la divinité. Champ lexical de l'enfer. Les différentes couleurs qui représentent les diables. Le diable, pardon. L'invincibilité de la personne. Grand 2, réalisme versus fantastique. A, magie versus la science. B, sombre vs clair. C, prise de conscience du trouble humain dans le cadre réaliste qui fait apparaître du fantastique. C'est génial. Franchement, c'est vraiment bien, Mathis. Respect. Bref, respect, vraiment bien joué. Salut, Titiche. Romain, désolé, en gros, hier, on a fait un live sur un commentaire de texte sur la rencontre du vieil antiquaire dans la peau de chagrin de Balzac.
Et en espèce de devoir pour aujourd'hui, je leur avais demandé de finir le plan qu'on n'avait pas eu le temps de finir. Et du coup, bah, je leur avais dit de me l'envoyer aujourd'hui quand on serait en live. Et voilà, du coup, on en est là. Oriana, problématique. Comment Balzac nous plonge dans les fleurs, dans les profondeurs des ténèbres, dans un cadre fantastique? Ok. 1. La clarté divine. A. L'apparition des ténèbres. Le vieillard, l'être imaginaire. Grand 2. L'entrée dans les bagnes. C'est-à-dire A. L'enfer, monde mystérieux. La chute, arrivée de la mort. Ouais. Je suis pas sûr de trop bien comprendre ton plan, Oriana, mais c'est ça m'a l'air pas mal. Carla, en quoi ce portrait endiablé montre-t-il l'atmosphère lugubre de l'atmosphère inattendue? Ouais, fais gaffe de pas te répéter quand même le jour où tu seras devant ta copie, mais ouais, ça a du sens. Younes, mais si on ne connaît pas vraiment Balzac, comment est-ce qu'on peut tourner notre problématique sur un sujet opposition réaliste fantastique qu'on ne connaît pas vraiment? J'entends. C'est vrai que c'est mieux de faire ça si tu le connais un minimum. Mais base-toi sur le fait que c'est un réaliste et que bah, cette scène-là n'a rien de réaliste. Et que du coup, bah, enfin, tu connais à peu près les caractéristiques du réalisme. Enfin, tu vois, c'est dans le titre, c'est juste, on décrit, on fait un portrait de la réalité, tu vois. Et là, en l'occurrence, bah, ça peut pas être réel, vu que bah, c'est littéralement un personnage divin qui apparaît au milieu de nulle part dans un antiquaire. Ça devrait suffire, mais après, si tu as peur de manquer de contenu, tu peux très bien l'orienter différemment, Younes, y a pas de problème. Ouverture, le parcours du personnage va-t-il se résumer seulement aux ténèbres? Ouh, pas mal, mais ça, faut avoir lu le livre. Mais ça, c'est. Et en plus, c'est vraiment une ouverture, parce que là, tu t'éloignes vachement du texte, mais c'est bien. Quantaz, pour la dissertation, le minimum, c'est 4 sous-parties ou 6. Je viens de le dire. Faut faire 6 sous-parties, minimum. En fait, c'est bien d'en faire juste 6. Genre, 6, c'est vraiment la référence. Soit en 3 parties avec 2 sous-parties chacune, soit en 2 parties avec 3 sous-parties chacune. Nono, tu crois qu'il faut apprendre combien de citations sur les fleurs du mal pour la disserte? C'est pas compliqué en vrai les citations avec les fleurs du mal parce qu'il y en a beaucoup qui restent en tête facilement. J'aurais dit. Trois, quatre, parce que c'est pas essentiel d'avoir des citations. C'est bien d'en avoir, mais c'est pas waouh, c'est pas the truc qu'il faut. Si t'en as pas, t'es mort, tu vois. Julien, je vais dire le sujet dans 2 secondes. Liox, salut, j'ai pas très bien compris. Le live consiste seulement à parler des actes sur Balzac. Non, non, t'inquiète, Liox. Là, on va travailler sur la disserte. C'était juste en intro. Hier, on avait fait un live sur le commentaire et bref. Et du coup, je leur avais donné en devoir le plan à faire à ceux qui étaient là hier. Et voilà, du coup, là, ils m'envoyaient juste et je dis ce que j'en pense. Est-ce que c'est grave que je veux faire uniquement un commentaire et donc pas réviser la disserte MGAM? Moi, je te le déconseille fortement. Parce que bah, si jamais le commentaire, ça tombe sur un truc vraiment que t'aimes pas, qui t'inspire pas du tout ou quoi, c'est bien d'avoir quelques outils en main pour réussir la disserte, un minimum. De toute manière, c'est 2 méthodes à comprendre hein, et à connaître. Le reste, voilà, c'est mieux pour la disserte de bien connaître les œuvres que t'as étudiées en cours, mais voilà, ça se fait, tu vois, c'est pas impossible. Là, t'as pas mal de temps encore avant le bac. Je t'aurais dit quand même de passer au moins une journée, tu vois, sur les 4 qui restent avant jeudi. Ah, t'as fait la disserte. Au moins une, tu vois, histoire de pouvoir sauver les meubles si jamais t'as pas le choix. YTB, t'étais sûr de prendre le commentaire au bac ou t'avais quand même révisé pour la disserte? Moi, j'avais fait l'erreur de pas du tout assez réviser la disserte. Et je l'ai regretté parce que bah, le commentaire, en vrai, j'ai eu. C'est pas de la chance que j'ai eu, mais j'ai vraiment pris un gros risque avec ce que j'avais fait parce que je suis tombé sur l'argumentation qui était l'objet d'études que j'avais le moins taffé. Et du coup, c'était tendu parce que bah, l'argumentation, c'est pas facile à maîtriser avec les procédés argumentatifs, etc. Et donc, voilà, j'ai pris un gros risque. Ça a payé, mais c'était pas confortable. Tu vois, je suis sorti, j'étais là en mode bon, bah, ça passe ou ça casse. J'ai appelé mon père, je lui ai dit ma problématique. Il m'a dit, bah, écoute, c'est soit t'as 16, 17, soit t'as 4. Et j'étais comme ça au moment des résultats. Kozuki, du coup j'ai changé mon plan, hein, la peur qu'inspire le vieillard, et l'aspect fantastique et illusoire de la scène, grand 2, la description réelle du vieillard et la raison cartésienne. Pas mal, la perte de raison cartésienne, mais oui, j'aime bien. Salut Abdella, Enzo, comment faire pour augmenter le contenu? C'est un problème que je rencontre souvent. Alors en commentaire, pour augmenter le contenu, tu analyses juste plus. Faut juste que tu analyses plus et plus en profondeur, que tu ailles chercher plus loin dans tes analyses.
et que tu fasses feu de tout bois, hein, comme je le répète maintenant depuis 4 jours. Sinon, pour la disserte, si tu connais pas les œuvres, c'est un peu compliqué d'augmenter le contenu, tu vois. Mais faut pas hésiter à parfois, tu sais, un peu romancer un peu, etc., tout en restant dans le sujet, tu vois. Mais à prendre ton temps pour expliquer, tu vois, pour genre bien développer tes explications, tes exemples, etc. Etc. J'arrive pas à parler. Salut Apollon. Peut-être que la magie, c'est un peu simple. Ouais, en effet. Mais ça peut être pas mal parce qu'il y a quand même tout ce lexique magique dans les plans. Question similaire à Enzo. Pour commentaires et dissertations, comment avoir plus de choses à écrire? Souvent mes paragraphes sont courts et je n'ai rien de plus à écrire. Peut-on citer plusieurs fois? Tu peux citer plusieurs fois, mais faut que ta citation, tu l'analyses deux fois très très différemment. Parce que si tu te répètes, tu gagneras pas de points et tu peux risquer d'en perdre. Si jamais c'est pas une super analyse, tu vois. Donc si tu répètes ta citation, voilà, tu peux, hein, mais c'est pas un risque, mais faut être serein sur ta double explication de cette citation. Tu vois ce que je veux dire? Henri, le texte dans chaque paragraphe de commentaire. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Henri? Vous savez que je suis en train de louper le Grand Prix d'Azerbaïdjan pour vous, là. Pour tous les 70 d'entre vous, là, j'étais en train de mater le Grand Prix, je me mettais hyper bien, il y a Charles Leclerc qui a abandonné et tout, c'était fou. Et voilà. Bah me voilà devant vous. Pour le plus grand des plaisirs. Vous êtes plus important que le Grand Prix d'Azerbaïdjan. M. Pour les fleurs du bal, on peut juste citer les noms de poèmes. Section du recueil, si jamais on n'a pas trop de citations. Oui, ça tu peux. On retrouve une allitération. Enfin, tu vois, on retrouve cet exemple du spleen dans Spleen 4 quand le ciel bas est lourd. Tu fais ça, bam! Emballé, c'est pesé, tu vois. Après, si t'as des recherches un peu plus poussées, des analyses qui te reviennent de tel poème, etc., genre telle figure de style dans tel poème, le fait que Harmonie du soir, c'est un pantoum, ce qui est une structure de poème hyper rare, qui est super dure à maîtriser, etc., bah ça, tu gagneras forcément des points pour ta culture de l'œuvre. Tu vois ce que je veux dire, M? Quantas, dans combien de temps on passe à la disserte? Dans très peu de temps, t'inquiète pas. Mina, comment on fait pour faire une bonne problématique de disserte? On réfléchit. On analyse bien les termes. Très 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 bien les termes, on va le plus loin possible dans notre analyse des termes, et au bout d'un moment, naturellement, les grands axes de réflexion vont se dessiner. Amir, pas mal les plans pour le commentaire, du coup là c'est la disserte, oui, Amir. M. Henri Pierre, parfois mes paragraphes sont courts, mais je pense pas que c'est un énorme problème, j'essaie juste de faire la méthode AEI. Ouais, ça c'est bien. C'est surtout en écho que c'est utilisé ça, j'aime bien voir des gens connaisseurs. En effet, AEI c'est bien, surtout pour la disserte. Pour le commentaire, ton explication peut être l'exemple que t'as, l'analyse que t'as trouvée dans le texte, tu vois. Mais oui, c'est bien. Et c'est pas grave que ce soit pas hyper long, tant que le contenu à l'intérieur est riche. Voilà. De toute façon, si vous essayez de faire au moins une copie double, là, je dis, c'est à peu près ce qui est demandé. Si vous faites plus, c'est bien. Faut pas faire trop non plus. Au bout de deux copies doubles, ça devient vraiment beaucoup. Par contre, moins de 4 pages, ça peut vous coûter cher. Ça peut vous donner à peu près une idée de la longueur que votre copie doit faire. Unknown, désolé pour le retard, j'ai raté quoi? T'inquiète, on corrigeait juste. Déjà bienvenue, et ensuite on corrigeait juste les plans qu'on avait, enfin, les plans sur lesquels on avait travaillé hier avec ceux qui étaient là quand on faisait le commentaire sur Balzac. Et de toute manière, tous ceux qui m'ont fait un plan là, je tiens à vous féliciter tous. Vous avez mon plus grand respect parce que c'est vraiment pas facile à maîtriser Balzac. C'est quand même. C'est vraiment pas un truc commun à travailler, etc. Vraiment, je vous lève mon chapeau fictif. Parce que c'est un truc de ouf. Vraiment, Balzac, c'est pas facile à maîtriser. Et je trouve qu'il y a pas mal de plans là que j'ai lus qui sont vraiment cool. Comment on fait pour trouver une problématique en commentaire composé? Fallait venir hier et jeudi, pas de pseudo. Pour trouver une bonne problématique en commentaire, faut appliquer une méthode très simple qui est que tu lis une première fois le texte. Là, tu fais un brainstorming de fou pendant 20 minutes où tu sors absolument toutes les idées qui te sont venues à l'esprit, tout ce que tu as pu analyser comme ça. Si tu vas relire le texte et réanalyser beaucoup plus en profondeur le sens et tous les outils utilisés dans le texte que tu peux analyser. À partir de là, tu vas avoir pas mal d'idées que tu vas pouvoir classer.
Et là, tu vas voir tes sous-parties apparaître, tes parties, et grâce à ça, tu vas pouvoir trouver, tu auras ta structure, tu vas pouvoir trouver ta problématique. Amir, parce que de base, je suis pas disserte, mais je vais m'entraîner avec celle-ci, si tu pourrais me dire la méthode, please. T'inquiète, on va voir la méthode ensemble progressivement. Je pense qu'on va se lancer, là, je finis à peu près de lire les messages et on y va, parce que faut pas non plus perdre trop de temps. Majed, j'ai entendu dire que si tu as une bonne méthode pour le commentaire, tu pouvais avoir la moyenne, voire plus. C'est pareil pour la disserte? Absolument. La différence avec la disserte, c'est qu'il faut quand même connaître un minimum l'œuvre, mais pour pouvoir appliquer une bonne méthodo. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu connais pas du tout l'œuvre, tu peux te faire défoncer, même si tu as fait une très bonne méthodo. Ce qui n'est pas vraiment le cas du commentaire. Le commentaire, si tu appliques une super bonne méthode, même si au départ t'es pas spécialement bon, et que le texte tu le maîtrises moyen, tu peux très bien t'en sortir. Élise, au vu des sujets qui sont tombés les dernières années et des sujets qui sont tombés cette semaine, est-ce que tu penses qu'il y a un objet d'étude qui est plus probable de tomber jeudi? Absolument pas. Absolument pas, et vraiment, je tiens, je veux vraiment que vous sortiez cette idée-là de votre tête, parce que ça peut vous coûter très très cher si vous commencez à tabler en vous disant, ok, c'est sûr que ça va être le roman, et là ça tombe sur la poésie au commentaire, alors que vous pensiez vraiment faire un commentaire. C'est ciao. Ça peut vraiment vous coûter très très cher. Donc vraiment, révisez tout. Faites pas attention à ce qui est tombé les années précédentes, à ce qui est tombé dans les autres pays. Faut juste vraiment, vraiment tout être prêt pour, à n'importe quel cas de figure. Le but, c'est de s'adapter. C'est une épreuve d'adaptation, hein, le français. Carla, comment on fait pour analyser un texte de théâtre? Bah, si c'est versifié, tu vas faire comme on fait aujourd'hui. Si ça l'est pas, tout est dans les figures de style, les didascalies. Les didascalies sont très très importantes en théâtre, et ça dépend de la scène aussi qui est donnée en extrait, Carla. Moi c'est Nils. Est-il nécessaire de mettre des citations dans la dissertation? Si t'en as pas, c'est pas grave. Si t'en as, c'est mieux. Tu vois, ça peut te faire gagner des points d'en avoir, mais ça peut pas te faire perdre des points de ne pas en avoir. Sauf si t'as vraiment un correcteur méchant quoi. YTB, t'étais stressé aujourd'hui? PS, je sais pas comment ne pas stresser. Oui. J'étais stressé, mais c'était pas un mauvais stress. C'était un stress en mode bon. J'y allais, tu vois, et j'étais en mode bon, bah, les dés sont jetés là, pardon. Les dés sont jetés, je peux plus faire grand chose pour. Enfin, je peux plus rien faire en fait pour revenir en arrière, tu vois. Si je me foire, bah, tant pis. Après, moi, mon père, il m'avait dit qu'il m'offrait un nouveau tel si j'avais que des notes au-dessus de 14 au bac, aux épreuves anticipées de première. Et donc, c'était vraiment un facteur motivant. Parce que j'étais avec un bigot à 2 balles, c'était une brique le truc. Ouais, donc faut juste, tu travailles en amont assez pour avoir une forme de pression, mais pas une mauvaise pression, pas un truc qui va te être néfaste au moment de l'épreuve, tu vois. Après, forcément, quand t'es assis à la table et que t'attends le sujet, là tu te stresses un peu plus, mais faut pas que ce soit un mauvais stress, faut que ce soit un stress qui te motive à tout déchirer, tu vois. YouTube. Enfin YouTube, je t'appelle YouTube mais c'est YTB, je sais pas en fait. Henri, mes deux commentaires allaient ensemble, je voulais savoir si on pouvait faire plusieurs citations différentes dans un paragraphe de commentaire. Je sais pas si c'est utile. Garde-les précieusement les citations que t'auras en tête jeudi, pour pouvoir les utiliser à des endroits différents, parce que si tu répètes tes citations, c'est pas forcément une bonne chose. Enfin c'est difficile à bien faire. Donc si t'en as plusieurs que t'as en tête et que tu veux utiliser, bah essaye de les utiliser au plus d'endroits différents possible. Oriana, pour l'oral, comme on a droit d'utiliser notre œuvre pendant l'entretien, on peut garder nos notes à l'intérieur ou pas? Est-ce que c'est considéré comme de la triche? Oui. Complètement. Complètement, normalement, t'as même pas le droit à avoir des annotations ou quoi sur tes bouquins. Donc j'éviterai de prendre ce risque à ta place. Une copie double pour une disserte, c'est bon ou pas? Ouais, bah c'est ce que je disais, c'est un peu le minimum. 4 pages, si vous faites moins de 4 pages, posez-vous des questions. Si vous faites entre 4 et 6 pages, c'est très bien, c'est la moyenne. Si vous faites plus de 6 pages, ça peut être bien, mais ça peut aussi être moins bien. Parce que si vous faites 8 pages nul, vous allez vous faire encore plus déchirer que si vous avez fait 5 pages pas ouf. Vous voyez? Gamy Rester. Salut, dans la disserte, on peut interpréter à partir de plusieurs exemples ou il faut interpréter pour chaque exemple. Bah, tout dépend de ce que tu fais de l'interprétation en fait. Parce que c'est un peu vague ta question. Si t'as plein d'exemples en tête et que tu sais que t'as assez d'exemples pour nourrir toute ta disserte, tu peux en utiliser plusieurs, mais dans quelle mesure est-ce que c'est utile? C'est là que je saurais pas trop répondre à ta question, tu vois, parce que.
À la rigueur, que tu cites à deux exemples par enfin, par paragraphe, dans chaque paragraphe de ta disserte, là, ok, mais sinon, faut pas que ta copie elle paraisse inégale non plus, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir d'autres sujets? Oui, on vient au sujet, t'inquiète, Léa, pour la disserte. Est-ce qu'on retrouve souvent les mêmes axes dans les dissertations? Bah, tout dépend de la question qui est posée. Attendez 2 secondes, je mets mon ordi en silencieux. Hop. Voilà, pardon. Est-ce qu'on retrouve souvent les mêmes axes dans la disserte? Ça dépend. Il y a des questions qui posent plus à un plan dialectique, il y en a qui posent plus à un plan explicatif, analytique. C'est un peu. Vraiment, ça dépend de la question. T'inquiète, Anthony, on n'a pas encore vraiment commencé. Ouais, Emma, t'as une question, je l'attends. School, il peut y avoir des post-it et du fluo, mais pas de notes dedans. Ouais, c'est ça, des post-it et du fluo pour retrouver à la rigueur tes poèmes, enfin tes poèmes, tes passages, etc. Mais sinon, faut pas trop chercher le sbeul. Normalement, le correcteur vérifie toujours ton bouquin avant de te laisser aller travailler. En général, en dissert, je fais une copie double et une copie simple environ. Ok, bah c'est bien, c'est 6 pages. Les dissertations où j'ai fait plus, j'ai mélangé un peu trop mes idées entre les paragraphes. C'est ça le risque quand on fait trop long. Est-ce que pour la disserte, c'est risqué de prendre une œuvre qu'on n'a pas fait en cours, mais qu'on a appréciée et qu'on a mieux retenue? Bah, écoute, si t'as lu des œuvres qui te sont pas, que t'as pas étudiées en cours, mais que t'as kiffé et que t'as un peu analysé dans une certaine mesure, et que tu te sens de développer sur 4 à 6 pages, fonce. Mais c'est un risque, tu vois, parce que t'auras pas les conseils du prof, quoi. Moi, je commence vraiment à stresser, j'ai l'impression que je vais rater. C'est pas la bonne mentalité. Moi, je suis sûr que tu vas tout déchirer. Je suis sûr que tous les 80 spectateurs ici vont tout déchirer parce que vous êtes là. Faut vraiment pas te laisser attraper par ça, parce que ce genre de stress-là, il est souvent. Enfin, il va souvent plus te pénaliser qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est ça le risque à ne pas prendre. C'est de stresser comme ça à un point où ça te bloque, ça t'empêche, option A, de travailler. D'être sereine, de bien composer, tu vois, faut vraiment pas trop réfléchir comme ça. En fait, Erania, c'est Rania, ton blaze. C'est pas Anya ou c'est pas R tiré du bas. Anya, ok, je viens de capter, désolé. C'est bien, Léa, c'est la bonne mentalité. Ok, bah t'inquiète, YouTube, pas de galère. Pour le bac blanc qui portait sur le roman, j'avais choisi la disserte et j'ai fait 6 pages. Bah, c'est très bien. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Iron Man, c'est ce que je disais, le nombre idéal de pages, peu importe si c'est disserte ou commentaire, c'est 4 à 6. Plus, ça peut être très bien, mais il faut faire attention. Et moins, là, faut vraiment se poser des questions. Si t'as que 3 pages, c'est pas ouf. La qualité sur la quantité en vrai, absolument. Vraiment, vraiment, ça c'est vrai. Faut pas trop divaguer dans ce qu'on dit. Un plan analytique, c'est un plan qui explique. C'est un plan, tu vois, dans quelle mesure, comment Baudelaire fait-il pour mélanger spleen et idéal? Et là, tu vois, la question qu'on te pose, c'est pas de dire oui, non. C'est de expliquer comment il fait. Et ça, c'est un plan explicatif ou analytique. Je pense que ça va aller. On a travaillé hier pour le commentaire et j'étais en admiration à chaque fois que tu avais quelque chose dans le chat. Waouh, c'est trop gentil. J'adore cette bienveillance. Salut Emma. J'attends ta question toujours, hein. Tu vois, j'ai eu une disserte sur juste la fin du monde et j'ai fait une ouverture sur le film et le correcteur n'a pas aimé. Bah, soit le correcteur c'est un chien. Ouah, j'ai dit un truc super méchant là. Non, s'il a pas aimé, c'est peut-être que toi, ton analyse n'était pas assez pertinente pour que ça l'intéresse. Ou alors, encore une fois, les ouvertures c'est risqué. Et donc, c'est peut-être aussi que juste ta copie n'était pas assez bonne pour ton ouverture et que donc, bah, ça n'a rien apporté en fait. Clem. Est-ce qu'on a le temps de faire 6 pages en 4 heures en ayant un brouillon très poussé? Oui, mais il faut écrire vite. Tout est dans la répartition du temps. Si tu sais que tu écris un peu lentement, bah, vaut mieux faire 1h30 de brouillon et ensuite commencer à écrire. Si tu sais que tu écris normalement, bah, tu fais 2h, 2h. Si tu écris super vite, et ça, malheureusement, c'est un avantage que certains ont et pas d'autres, tu peux faire quasiment 2h30 de brouillon et commencer à rédiger à 1h30 avant la fin.
Est-ce que c'est un live de 3ème? Non, désolé Nisrine, c'est un live pour les premières, pour le bac, mais t'es la bienvenue, tu peux rester avec nous si ça t'intéresse. Bon allez, on passe à la disserte d'aujourd'hui. Bam! Voilà le sujet. Donc aujourd'hui, on travaille sur les fleurs du mal, Baudelaire, la poésie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont lu? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont pas lu? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'ont kiffé? Est-ce qu'il y en a qui l'ont détesté? Dites-moi tout, je veux tout savoir. Et ensuite, on commencera à réfléchir sur Les Fleurs du Mal, un recueil du spleen. C'est une question difficile, mais je voulais finir là-dessus parce que je pense que je peux vraiment vous aider à vous mettre en confiance si jamais le sujet est difficile ou un peu déconcertant comme là. Vous montrer que vous avez toutes les clés en main pour faire un truc super. Si tu galères à remplir une copie double, c'est peut-être que t'as pas assez poussé ton analyse justement. Et donc faut vraiment pas que tu tapes, tu vois, que tu cherches, que tu fouilles, que tu creuses, tu vois. Pourquoi plus Mathis, tu t'en vas? Oh dommage, j'ai le seum. Ouais, il est court le sujet. Il est court, mais ça veut pas dire qu'il est plus dur. Ok, c'est bien que tu l'aies lu YouTube. Tu l'as lu et t'as adoré Kozuki, trop trop bien. J'ai lu mais pas intégralement, c'est pas grave, le but des Fleurs du Mal c'est de piocher dans les poèmes. Moi je l'ai lu, par contre je l'ai pas tant aimé que ça par rapport à La Princesse de Clèves par exemple. Ok, intéressant. Bah en même temps La Princesse de Clèves il y a une vraie histoire quoi, là c'est juste des poèmes les uns après les autres. J'ai lu quelques poèmes des Fleurs du Mal, c'est très bien. Younes, ça y est, toi t'es déjà parti là. Spleen, la rate en anglais, organe responsable de la mélancolie. Donc est-ce que Les Fleurs du Mal est un recueil de la mélancolie? Ouais. Le spleen ça... Le spleen baudelairien, ça dépasse un peu plus la mélancolie. C'est pas que ça en fait. Et je pense que l'idée là, c'est de confronter l'idéal avec le spleen. Tu l'as lu, t'as étudié, tu l'as beaucoup aimé. Bah ça, c'est trop bien, Amandine. Je connais pas du tout, mais je vais découvrir ça. T'inquiète, Léa, on est là pour ça. Trop cool, pas de pseudo, tu l'as adoré. Même si tu comprenais pas trop ce que tu lisais, c'est normal. La difficulté avec Les Fleurs du Mal, c'est que souvent les poèmes, faut les analyser derrière. Enfin, c'est difficile de comprendre ou de bien aimer un poème sans l'avoir bossé, sans le bosser après quoi. Et en même temps, non, on peut aussi trouver la beauté du truc comme ça. Hein. Toi, t'as bien aimé, Elise, trop cool. Amir, ouais, Les Fleurs du Mal, j'ai étudié, mais bon, il y a beaucoup de poèmes, c'est vrai. Et normalement, vos profs devraient pas vous demander de tout lire parce que c'est dommage. Ce qui est agréable avec les recueils, les bouquins avec des trucs courts, c'est que tu peux juste prendre le livre, ouvrir, tu tombes sur un truc. Bon, attendez, là, je suis pas dans le bon truc. J'arrive. Oh là là, c'est pas vrai. C'est quoi ce bouquin là? Voilà, double bouquin, bam, hop. Et ok. Bon bah là je suis devant Semper et Adem. Le bouquin, le poème numéro 40. Et voilà, et tu le lis. Et voilà, et hop, et tu fais comme ça, tu pioches. C'est ça qui est agréable avec ce genre de truc. Trop cool Jeanne, si tu l'as trouvé incroyable. Toi tu l'as étudié en cours, Nelis, trop cool. Tu as présenté Les Fleurs du Mal pour l'épreuve orale, bah c'est très bien, raison de plus d'être ici. School, lui, est étudié, mais j'avais du mal à comprendre les textes, c'est normal. Nono, tu l'as lu. Comment faire si on se rend compte qu'on n'a pas assez argumenté à la fin de la disserte? Bah, faut argumenter avant. Faut pas se mettre dans une position où tu n'es pas sûr de la qualité de ton argumentation ou de la quantité de ton argumentation à la fin. Et tout est dans la méthode pour ça. Est-ce que ça suggère un plan? Oui, non. Oui, clairement. On ne te demande pas d'expliquer. Enfin, on te demande d'expliquer, mais pas que. Est-ce que c'est un recueil du spleen? Et là, t'as deux options de réponse, tu vois. Faut se mettre en tête, faut se dire, est-ce que ma mère dans la rue, elle me croise et elle me dit, Clark, est-ce que Les Fleurs du Mal, c'est un recueil du spleen? Là, je vais lui répondre oui, non, je vais pas lui écrire, ou je vais lui dire oui, car, mais en même temps, nanana, tu vois. Est-ce que ça suggère un plan? Oui, non, pardon. Et est-ce que les poèmes comme Spleen 4 sont des éléments à utiliser? Totalement, totalement. Il y a des poèmes référents. Et c'est pas pour rien qu'ils sont là. Plan dialectique, clairement. Younes, moi j'ai pas pu le lire. C'était notre dernier objet d'étude. J'ai vraiment lu que quelques poèmes avec tous les autres objets d'étude. J'ai pas vraiment eu le temps. J'ai pas pu vraiment le lire. Ok, bah c'est pas grave. En vrai, c'est déjà bien que t'en aies lu quelques-uns. Et bah t'inquiète, on est là pour t'aider. Hein.
Recueil du spleen, mais pas seulement, c'est bien, Armina. Non, non, je pense que les poèmes intéressent. Les poèmes intéressants à étudier sont Une charogne, Les bijoux, Hymne à la beauté et L'âme du vin. C'est ce qu'on a fait en classe. Alors, ils en font partie, mais il y en a plein d'autres. Il y a Harmonie du soir, Spleen 4, L'horloge, L'albatros, À une passante. Il y en a plein des poèmes de ouf dans Les fleurs du mal. C'est des trucs, moi ça m'a bouleversé, hein. C'est un des livres préférés, Les fleurs du mal. Là, faut faire un plan dialectique, Majed, pas analytique. Enfin, si tu fais analytique, c'est chaud, je pense. Kozuki, on peut faire un plan dialectique en disant oui, c'est un recueil du spleen avec l'alchimie inversée. Alchimie urbaine avec la modernité de la ville qui alimente sa mélancolie. C'est ça. Léa, il y a idéal, mais pas seulement. Quant à Zui, car les termes abordés sont liés au spleen, mais ils sont représentés. Pardon, mais ils sont représentés comme quelque chose de magnifique. Ouais. Yasmine, y aura-t-il un live, un autre live sur le commentaire, manière de trouver les axes et les sous-parties? Malheureusement, non. Là, c'est le dernier, Yasmine. Mais tu peux regarder les rediffs de hier et jeudi, où là, on a travaillé sur le commentaire. Grâce, j'ai pas lu Les fleurs du mal. Un petit résumé, s'il te plaît. C'est un recueil de poèmes de Charles Baudelaire, écrit avec deux éditions, une en 1853, si je me trompe pas. Corrigez-moi si j'ai tort. Et une autre en 1861. C'était 58, je sais plus, je me souviens jamais de la date de la première édition. Et qui a fait beaucoup polémique parce que c'est une des premières fois. En fait, c'est ça, un poème qui marque la fin du romantisme. C'est un recueil qui marque la fin du romantisme. Et on parle d'ailleurs d'une modernité poétique en parlant de ce recueil, parce que Baudelaire, il a fait un truc qui n'avait jamais été fait avant. Et ça, c'est une citation que vous pouvez donner. C'est la boue et l'or. Il a fait de l'or avec de la boue. Et donc il prend des choses très moches et il montre à quel point, ou très moches, très disgracieuses, et il montre à quel point ces choses-là peuvent être sublimes. Et à l'inverse, il prend des choses qui normalement sont super majestueuses, dominantes, belles, comme ça, et il les casse. L'albatros, c'est ça, hein, c'est horrible. C'est horrible. Et une charogne, c'est l'inverse. J'ai pas lu Les fleurs du mal, ok, bah je viens de te le faire. Est-ce qu'on peut dire qu'il exprime aussi le mal-être du poète, ou ça fait aussi partie du spleen? Bah ça, je pense que tu peux le mettre dans le grand 1, Mina. Alchimie de la douleur, ouais. Duc, je vais prendre le commentaire composé pour ma part. As-tu certaines notions à me transmettre sur le théâtre de l'absurde? Ça me prendrait trop de temps aujourd'hui, Duc. Genre là, on a pas assez de temps pour bosser et sur Les fleurs du mal et là-dessus, j'aurais adoré t'aider. Malheureusement, en plus, le théâtre de l'absurde, je le maîtrise pas hyper bien. T'as travaillé sur quoi? T'as travaillé sur Ionesco? C'est aussi un Memento Mori. Ouais. J'étais tombé sur La beauté à l'oral. Blanc. Et ça s'est bien passé, œuf? Remords posthume aussi pas mal, ouais. 1857 et 61, pardon. Merci, YouTube. Kozuki, dans le secteur Les fleurs du mal qui porte le même nom que le recueil, le poète tombe vraiment dans le mal. Il tombe même dans le blasphème. Saint-Pierre a renié Jésus. Ouais, mais il y en a plein en fait, des poèmes qui confrontent vraiment le spleen, l'idéal. Léa, malheureusement, c'est le dernier live, c'est la dernière fois qu'on se voit avant le bac. Je suis désolé de t'annoncer cette nouvelle. Tu m'as donné de la boue et j'en ai fait de l'or. Quelle punchline n'empêche. Vous voyez un rappeur aujourd'hui lâcher une punchline comme ça? Ouais, c'est carrément un objet d'étude, bah, complètement basé sur Baudelaire, hein, Apollon. L'alchimie poétique, ouais. En soi, Baudelaire transforme la boue en or, mais aussi l'or en fer. Totalement. Mais il y a une sorte de beauté dans ce fer, et oui. C'est là que c'est intéressant. Pour moi, là, si je devais vous donner un plan type pour une disserte sur Baudelaire, et en fait, un plan type même pour un commentaire, c'est, on montre dans un grand 1 le spleen. Donc, dans quelle mesure, etc. Un spleen qui se retrouve confronté à un idéal, à l'idéal dans le grand 2, avec l'invitation au voyage, à une passante, le rêve, hymne à la beauté, et ensuite, là on dit, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en grand 3? J'avais une idée tout à l'heure et ça m'est sorti de la tête.
une confrontation. Un changement opéré qui signe la naissance de la modernité poétique. Un truc comme ça. Le but dans le grand 3, c'est de montrer que cette confrontation, c'est ça la beauté de l'œuvre de Baudelaire. C'est ça qui fait que c'est un recueil du spleen, mais en même temps un recueil de l'idéal. Et en même temps un recueil de la modernité. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même le coucher de soleil romantique, symbole complet de la fin de vie du romantisme. Vous voyez? Alors qu'en même temps, il y a plein de poèmes complètement romantiques dans l'œuvre, dans le recueil. C'est fou! C'est fou, les fleurs du mal. Ça, moi, c'est. Waouh! Ça me transporte à chaque fois, hein. Ouais, l'huître, c'est un bon exemple, en effet. Ouais, pour l'oral, la beauté, j'ai eu 15. Super, c'est bien, œuf. Je me souvenais plus de la problématique, j'en ai inventé une. Il a dit qu'elle était parfaite. Bah, écoute, bénef. Le spleen, l'idéal, puis la transfiguration poétique. Ouais, mais j'aurais pas dit transfiguration. C'est une confrontation... Confrontation, symbole, virgule, symbole de la modernité. Ouais, désolé Duc, je te souhaite bon courage dans tes révisions. Ouais, Camus, c'est super. Camus, c'est vraiment bien. Eugène, effectivement. Mais bon, je vais essayer de me renseigner plus sur ce genre théâtral. Ouais, bah écoute, je te conseille Ionesco, la cantatrice chauve. C'est un truc de fou. Ouais, je suis désolé de pas pouvoir t'aider aujourd'hui. Après, si tu veux rester et bosser un peu sur la poésie, t'es le bienvenu. Mais ouais, je suis désolé. On a encore un côté paradoxal dans ce sujet avec le spleen et l'idéal qui s'opposent complètement à Mire. Mais en connaissant la vie de Baudelaire, le spleen domine. Oui, c'est vrai, mais faut plus rester focus sur l'œuvre, je pense. Parce que Baudelaire était quand même fou, quoi. Enfin, c'était un mec un peu taré. Majed, j'ai entendu dire qu'il faut dans l'intro relier l'œuvre et le parcours, mais j'ai pas compris où on le place dans l'intro et comment on fait. Faut pas que ce soit trop long. Faut surtout pas que ce soit trop long, faut pas que ça fasse plus de deux phrases dans ton intro. Tu fais ton accroche, et ensuite tu dis qui est Baudelaire, ou dans quel courant il s'inscrit. Enfin, c'est difficile de trouver un courant pour Baudelaire, mais tu dis à quelle époque il a écrit, l'histoire un peu des Fleurs du Mal, la double édition. Voilà. Et là ensuite tu commences à t'atteler au sujet. Tu fais le lien entre l'auteur et le sujet. Est-ce qu'il y a des vidéos pour le commentaire sur la chaîne? C'est possible. Je sais pas, œuf. Jeanne, comme il était habité par le spleen durant sa vie, ce livre est aussi un de ses antidotes qu'il maintient en vie. C'est pas mal. J'aime bien cette idée. Cette manière de formuler le truc. C'est assez poétique, d'ailleurs. Ouais, j'aime bien ton plan, Léa. Il est encore très très simple, mais c'est à peu près ce vers quoi on va se diriger, je pense. Parce qu'il faut quand même bien expliquer à quel point l'idéal est très très opposé au spleen dedans. Et en même temps, dans le grand 3, il faut montrer à quel point les deux, leur confrontation, c'est ça qui crée la beauté baudelairienne. Le beau baudelairien. Et ce qui est un vrai terme hein, que vous pourrez utiliser jeudi. Et la modernité poétique, qui est aussi un terme que vous pourrez utiliser jeudi. Dans un premier temps, on peut parler du spleen, son mal-être. Deuxième partie, la transformation entre spleen et idéal. Et troisième partie, on rejoint le spleen au parcours associé. Alchimie poétique de la boue et l'or. Ouais, c'est bien. Très bonne idée, Oriana. C'est un peu la même idée que Léa, mais t'as un peu plus développé. Dans les deux cas, ça se complète. C'est très bien. Élise, j'ai quelques idées pour les deux premières parties, mais en dissert, j'ai toujours du mal avec la troisième. La synthèse, je ne comprends pas vraiment comment la construire. Élise, le but, c'est que ta troisième partie, elle dépasse les deux autres. Elles disent, en fait, c'est plus fort que ce qu'on vient de montrer. C'est tout ça. Et tu vois, les fleurs du mal, ça aurait été juste du spleen. Ça aurait pas été pareil. Ça aurait été juste de l'idéal, ça aurait pas été pareil non plus. Là où c'est fou ce qu'a fait Baudelaire, c'est qu'il a tout changé. Il a tout chamboulé. Il a écrit des choses fabuleuses sur des choses sur des thèmes qu'on abordait absolument pas avant. Et c'est ça qui est fou. Et en fait, dans ton grand 3, faut que tu montres à quel point, ok, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est pertinent, c'est bien. Et ça, en fait, ça nous permet de réaliser à quel point
ce que l'œuvre de Baudelaire est beaucoup plus forte que ça. L'œuvre de Baudelaire, elle a permis d'avancer dans la littérature et dans la poésie française. Elle a permis de signer la fin de la poésie romantique. Elle a permis une nouvelle vision de la beauté en littérature. Elle a permis tout ça, en fait. Et c'est ça qui est important. Mais tu fais comment pour trouver des parties comme ça? Bah, tu connais l'œuvre un minimum. Et tu réfléchis avec ce que t'as eu en cours, ce que t'as vu toi personnellement, tes analyses perso. Ça devrait venir naturellement, parce que spleen dans les fleurs du mal ne va pas sans idéal, de toute manière. Donc quoi qu'il arrive, si tu développes une partie sur le spleen, obligatoirement faudra développer une partie sur l'idéal. Et dans le grand 3, va falloir expliquer à quel point l'un ne va pas sans l'autre, en montrant que c'est l'alchimie des deux qui fait la beauté baudelairienne. Comme plan grand 1, il exprime sa mélancolie, désespoir et ses échecs. Grand 2, l'alchimie du spleen en idéal. Ouais, moi j'aurais plus fait 3 parties M, mais c'est pas mal. T'es encore étudiant? T'es jeune, aha. Et ouais les gars, j'ai l'air jeune alors que j'ai 21 ans, let's go. Ouais, je suis encore étudiant, mais je suis en école de commerce maintenant. J'ai eu mon bac en 2019. Ça commence à faire longtemps, hein. Ensuite j'ai fait 2 années de prépa et j'ai passé les concours des écoles de commerce l'an dernier. Et voilà, et maintenant je suis en école de commerce à Rouen. Tranquille, pépouze. Mais dans le grand 2, on parle que des poèmes. De l'idéal, non. Enfin, si. En fait, faut montrer que, genre, oui, c'est un recueil du spleen, grand 1. Et là, tu exposes plein de poèmes où vraiment ils tombent dans le spleen, comme Spleen 4, quand le ciel bat est lourd, par exemple. L'horloge. Attendez, faut que je retrouve ma table. J'arrive, désolé. Voilà, parfait. Ok. Alors, d'abord, il y a le haut lecteur, qui est dingue. Dingue. Ça, c'est très très important. Ensuite, donc, tu prends l'albatros, par exemple. Ton grand 1, tu fais, ok, voilà, pour telle et telle et telle raison. Ou telle et telle raison, vu qu'on va faire 2 sous-parties. Les fleurs du mal est en effet un recueil du spleen. Toutefois, grand 2... pour telle et telle raison, c'est aussi un recueil de l'idéal. On connaît la quête de l'idéal de Baudelaire. Et c'est en cherchant l'idéal qu'il va finir dans le spleen. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça, à mon avis, que tu peux adapter Les Fleurs du Mal en théâtre, par exemple. C'est oh, je veux, et on tombe. Vous avez vu Monstre et Compagnie? Vous voyez Buzz l'éclair dans la scène, je sais pas si ça vous revient bien, mais il y a Buzz l'éclair à un moment, il est persuadé qu'il a des super pouvoirs, qu'il peut voler et tout. Et c'est dans la maison de Andy. Il monte sur la rambarde de l'escalier. Il voit la fenêtre et il se dit ting, j'appuie. Donc mes ailes, elles se déploient comme un albatros. Ne faites absolument pas ça en dissert, hein. Ne parlez pas de Monstres et Compagnie pour parler des fleurs du mal. Mais et là il saute. Il s'élance en pensant qu'il va pouvoir voler et qu'il va atteindre son idéal qu'à la fenêtre et prouver à tout le monde qu'il a des super pouvoirs et tout. Et là, désillusion, il tombe. Et c'est en essayant d'attraper l'idéal, il était à 2 doigts de l'attraper qui tombe. Et il se défonce la tête dans les escaliers. Et ça, vous voyez, c'est un exemple très moderne et très très vulgaire de recherche de l'idéal tombé dans le spleen. Et tout ça, ça résume à peu près, en tout cas, la première partie des Fleurs du Mal qui s'appelle Spleen et Idéal. Il y a aussi des moments où il y a une confrontation spleen-idéal, au sein d'un même texte. Par exemple, à une passante. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent. Ça commence par la rue assourdissante autour de moi Hurley. Attendez, je vais vous le lire parce que c'est juste un bonheur. C'est dans les tableaux parisiens. 92 Nanterre, la cité. Je viens de Nanterre. Hop. Voilà. 92. À une passante. La rue, c'est un sonnet en alexandrin. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme passa, d'une main fastueuse, sous le vent, balançant le feston et l'ourlet. Agile et noble, avec sa jambe de statue. Moi, je buvais crispé comme un extravagant,
dans son œil, ciel livide où germe l'ouragan, la douceur qui fascine et le plaisir qui tue. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être. Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Là, dans ce poème, on voit bien qu'il y a idéal, la femme, et l'abandon, et la retombée dans le spleen. À chaque fois, il essaye d'en sortir, et il retombe dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est vraiment un truc qui résume les fleurs du mal. YouTube, c'est bien si t'as la moyenne à l'écrit et 13 à l'oral. Désolé, du coup, j'ai pris du temps, j'ai un peu arrêté de suivre vos messages. Bah oui, c'est bien, mais ça dépend de ce que tu vises. Vise 20, essaye d'avoir 18 et 19, tu vois. C'est ça qu'il faut faire. Élise, pour la troisième partie, il faut dépasser ta thèse et ton antithèse en les mélangeant ou tu introduis une autre idée. C'est exactement ça, Léa. Je comprends pas trop ton grand 3M. En soi, le spleen domine de toute façon, il finit par une révolte contre Dieu et par un voyage vers la mort. Bah, en fait, ce que Baudelaire nous fait réaliser là-dedans, c'est que on a beau tout faire pour échapper au spleen, on ne pourra que inévitablement retomber dedans. Est-ce qu'on peut faire référence aussi à l'union des contraires, c'est-à-dire Nono? Je connais pas ça. Faut parler de l'auteur dans la disserte? Oui. Dans l'intro, enfin, en tout cas dans la disserte plus que dans le commentaire. Oui, faut en parler, faut faire le lien un peu avec son courant, ce qu'il a fait historiquement pour la littérature, tout ça, oui, ça peut être important. Mais vaut mieux le faire dans l'intro et la conclusion. Est-ce qu'il faut parler de la censure de l'œuvre aussi et pourquoi elle a été condamnée? Et aussi parler de la deuxième édition. Si t'as assez de connaissances dessus, tu peux totalement en parler, oui. Mais faut pas en parler dans ton contenu en lui-même, parce que ça n'a pas tellement de lien avec le fait que c'est un recueil du spleen. C'est plus dans ton intro où tu exposes ce qui s'est passé, l'histoire un peu du truc. Younes, mais encore, il finit par un voyage magnifique vers la mort, et ses blasphèmes sont des prières détournées, donc toujours magnifiques. Ouais. Oriana, on peut parler aussi de sa relation avec Paris, car à cause de son procès, il part à Bruxelles, et là, sa relation avec Paris est détruite et il meurt, je pense. On peut en parler dans l'ouverture. Oui, mais après, faut pas oublier que Baudelaire est quand même un mec qui a beaucoup voyagé. Et qui avait une vraie rattache à Paris, mais c'était pas une fin en soi, tu vois. Et il a quand même été sous tutelle, enfin c'est pas juste le fait qu'il doive quitter Paris qui a été difficile dans sa vie. Clem, est-ce que dans l'intro de la disserte, que ce soit roman, théâtre ou poésie, nous devons résumer l'œuvre? J'ai fait au bac blanc, mais ça m'a été reproché par le correcteur. Oui, faut vraiment pas résumer l'œuvre, parce que là tu prends trop de temps à le faire en fait dans ton intro. Et peu importe si c'est disserte ou commentaire, faut vraiment pas résumer l'œuvre. Faut juste exposer vite fait qui est l'auteur, dans quel courant littéraire il s'inscrit. Tu donnes même pas ses dates de vie et de mort, on s'en fout. Et voilà, et il a écrit cette œuvre dont on va parler aujourd'hui. Tu vois, c'est à peu près tout ce qu'il faut dire. Faut pas trop élaguer sur l'auteur. Comment on fait une accroche? Alors moi j'ai une recette magique pour l'accroche que je vais vous donner maintenant et que je vais écrire dans le doc. C'est... Et ça, moi, ça a très bien marché pour moi. C'est très, très facile. Tu dis de tel auteur à tel auteur, en passant par tel auteur et tel auteur, si vous l'avez. La mélancolie et le spleen sont des thèmes qui ont longuement été discutés en poésie, en littérature. Et en fait, c'est en citant des auteurs que ton accroche, elle va paraître fluide. Par exemple, qui a parlé de la mélancolie, de la tristesse? Je réfléchis avec vous. Bon, là, c'est galère, mais j'ai pas trop d'idées qui me viennent à l'esprit. Mais voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut faire ton accroche, si tu peux. Est-ce que tu peux rappeler la notion de thèse, antithèse? Oui, en fait, ta thèse, c'est ce qui va aller du coup dans le sens... C'est ta première réponse à la question, en fait. Ta thèse, c'est oui, par exemple, ou ça peut être non. Tu peux commencer en disant non, ce n'est pas un recueil du spleen. Et l'antithèse, c'est mais en même temps, ça peut l'être, tu vois. C'est un truc qui vient reprocher, ou en tout cas corriger, ce qui est dit dans le grand 1. On peut faire référence aussi aux odalisques pour la modernité. C'est quoi les odalisques? Pas de pseudo pour la disserte et le commentaire, c'est la méthode qu'il faut réviser complètement.
Totalement un baigneur, aller faire du mal ZS, t'as bien raison. Pour l'idéal, on peut faire référence à l'invitation au voyage, bien sûr. Et là, tu peux carrément le citer, exactement. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'est très très bien. C'est quoi le spleen en Tawa? En Tawa, le spleen, c'est la mélancolie, le mal-être, se morfondre. Tu vois, c'est être dans le spleen, c'est. Je suis pas vraiment dans le mal, mais je le suis quand même. Tu vois, c'est être dans une mentalité un peu négative. De manière très très vulgaire, c'est ça. Comme ouverture, on peut ouvrir sur le parti pris des choses de Francis Ponge et sur les paradis artificiels de Baudelaire. Oui, M. Mais faut pas oublier qu'une ouverture, faut vraiment la faire uniquement si t'as déjà bien réussi ta disserte ou ton commentaire. Sinon, tu fais pas d'ouverture parce que sinon, tu peux te faire encore plus clasher qu'autre chose. Buzz l'éclair dans Toy Story, Apollon System. T'es pas obligé de les citer, Younes, en effet. T'as pas besoin d'avoir peur. Tu peux parler de Spleen 4, qui a telle et telle figure de style. Tu racontes vite fait ce qui se dit dedans, voilà. Et hop, c'est bon. Est-ce qu'on parle des éléments biographiques? Bah, tu peux en parler très très rapidement dans l'intro, mais faut ça, que ça reste super concis, Gammy Rester. Est-ce que c'est bien si on fait grand 1, œuvre de Baudelaire, spleen et idéal? A, spleen, B, idéal. Grand 2, alchimie entre les deux. Ouais, c'est bien. Moi, j'aurais plus fait 3 parties, Mina. Mais ça peut marcher comme ça. Grand 1, une œuvre qui s'inscrit dans la dualité. Et là, tu peux faire spleen et idéal. Et grand 2, une dualité qui signe la modernité poétique. Qui signe le début de la modernité poétique. Qui signe. Qui opère un changement. Faut bien montrer l'idée de changement, d'innovation que Baudelaire a apporté dans la poésie. Tu peux faire une ouverture sur les petits poèmes en prose, mais encore une fois. J'ai vraiment dit. J'ai dit quoi à la place de Toy Story? Je suis vraiment crevé aujourd'hui, c'est fou, hein. Les petits poèmes en prose, tu peux, mais encore une fois, les ouvertures, c'est toujours un truc. Moi, je vous dis, restez méfiants sur les ouvertures. Bah, en fait, le truc avec le spleen, comme le dit Skool, c'est que c'est plus qu'une émotion, en fait. C'est un mode de vie presque. D'être dans le spleen, c'est juste. Tu vois, tu sors de chez, c'est être blasé, tu sors de chez toi, t'es blasé tout le temps. En fait, c'est être blasé de manière continue. En soi, pour ajouter l'idéal, il y a un tas de trucs à dire, comme le luxe, le vin, la prostitution, totalement, complètement. Non, faut surtout pas ouvrir sur Buzz l'éclair, juste je vous donnais ça comme exemple de recherche de l'idéal et d'échec. C'est un recueil de l'échec, les fleurs du mal, complètement. Le live a commencé à 14h, mon cher Krish. Mon cher Krish, pardon. Je vous déconseille de faire une ouverture si vous n'avez pas fait une bonne copie, Captain. C'est un truc vraiment. Faut arrêter de vous matrixer avec les ouvertures parce que trop souvent ça semble trop important alors que vraiment pas. Jeanne, ouais, tu peux ouvrir sur les poèmes saturniens, mais faut faire attention de 1. Ouvrir intelligemment et ne pas y consacrer trop de place. 2. Faire très très attention. Parce que si ta disserte elle est pourrie et qu'en plus tu te permets une ouverture, tu te fais déchirer, c'est fini. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment, faites une ouverture que si vous êtes vraiment serein. Que si vous êtes vraiment confiant sur votre plan, votre méthode, votre rédaction, tout. Grand 1, oui. A, alchimie inversée. B, alchimie de la laideur. 2. Non, poète aspire à un idéal, alchimie du réel. B. Alchimie du langage, dualité baudelairienne, égale modernité, comprendre dualité, âme humaine. Ouais, c'est pas mal, Kozuki. Tu répètes un peu trop alchimie, je pense. Mais c'est pas mal. J'aime bien. C'est une beauté en mouvement qui est éphémère. Qui peut me dire qu'est-ce que le spleen? On l'a déjà expliqué, Krish. Je pense que ça te sera expliqué dans le chat. C'est quoi ton plan quant à. Ah, c'est bon, je l'avais pas vu encore. 1. Les fleurs du mal, c'est un recueil du spleen.
2, mais ce spleen devient l'idéal. Non, ça marche pas ça. Parce que tout simplement, les fleurs du mal, c'est justement un spleen inévitable dans lequel le poète atterrit en recherchant, dans sa quête de l'idéal. C'est tout le temps, c'est un pas en avant, trois pas en arrière en fait, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à la fin, bah, il est presque au niveau de l'abandon. Dans Spleen 4, c'est quand même vachement lugubre, hein, Spleen 4. Complètement. Dans la section des tableaux parisiens, c'est très clair. Sauf dans A une passante, à la rigueur, où justement, il y a cette vraie dualité dans le même poème entre oh, l'idéal et non. Et la mendiante rousse, complètement. Si, on peut en parler de cette alchimie, parce que c'est pas Baudelaire qui retombe dans le spleen, c'est le poète. Et ça, c'est un truc très très important. Distinction entre le poète et Baudelaire. Baudelaire, ce qu'il écrit, il a pas tout vécu. C'est le poète. Et le poète, c'est le personnage qu'incarne Baudelaire. C'est très très subtil comme truc. Mais du coup, Baudelaire, lui, ce qu'il écrit, c'est la modernité. C'est l'écriture de la modernité. C'est la première fois qu'on écrit un truc comme ça. Et même si le poète, à la fin, retombe définitivement dans le spleen, il arrêtera jamais de chercher l'idéal. Tu vois ce que je veux dire, Léa? Et dans l'écriture, là l'écriture c'est Baudelaire, là, il y a tout le temps cette dualité entre l'idéal et le spleen. Malheureusement, quand t'as ton plan est trop simple et le spleen ne devient pas idéal. C'est la recherche de l'idéal qui mène au spleen. Donc les étapes de l'intro pour une disserte, c'est amorce, présentation de l'auteur, présentation du recueil et de la deuxième édition, discussion sur le sujet, problématique, plan. Ouais, c'est ça, avec définition des termes du sujet dans la discussion sur le sujet. Mais c'est très bien. Hop, tiens, hop, je vais carrément recopier ce que t'as écrit YouTube parce que c'est vraiment ça. Il était temps que je commence à écrire un peu quand même. Même si j'adore discuter avec vous. Hop. Au brouillon. Définition la plus poussée possible des termes. Ça, je vous le mets carrément en rouge parce que c'est trop trop important. Allez chercher le plus loin possible, même si vous avez l'impression que c'est complètement foncedé comme truc. C'est totalement essentiel. C'est vraiment trop trop important d'aller chercher super 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 loin, même si ça vous semble lunaire. Parce qu'au final, il y aura peut-être un truc à caser quelque part. Faut pas que l'intro fasse plus d'une page. Jamais, jamais, jamais. Si elle fait plus d'une page, c'est chaud. Si tu dépasses une page avec trois lignes en plus, ça va à la rigueur, Clem. Mais sinon, sois vraiment précautionneux. Ouais, c'est ça. Des Victor Hugo à Verlaine ou Rimbaud, en passant par j'aurais bien aimé trouver un poète antique en fait, c'est ça le truc qui me manquait. En passant par Musset et Verlaine ou Rimbaud, celui que vous n'aurez pas utilisé, le 19e siècle en poésie a beaucoup posé la question du spleen. Ou de la mélancolie. Ou de la tristesse. Non, c'est pas bien de dire que c'est un poète maudit, parce que c'est pas vraiment le cas, Romain Daniel. J'ai dit Romain Daniel en entier, désolé Romain. Les poètes maudits, c'est un truc qui est arrivé au début du 20e siècle, donc c'est avant Baudelaire, et on a souvent tendance à penser que c'est le cas, que c'est un poète maudit, mais en fait c'est pas vrai. Tu as des conseils pour trouver la synthèse d'une disserte? Oui, tu dépasses, tu prends tes deux parties et tu te dis en quoi ça, quand on le fusionne, ça fait un truc nouveau. Et bah c'est ce que Baudelaire a fait.
Avec plaisir, pas de pseudo, après tu peux rester avec nous jusqu'à la fin hein, si tu veux. Dans la première partie, j'aurais fait une sous-partie sur la structure interne du recueil, étant donné que dans la première édition, on pouvait suivre une sorte de descente dans le spleen, suivie d'une remontée. C'est vrai, mais t'as raison, Élise. Mais est-ce que ça va pas finalement te bloquer dans la suite de, de ta réflexion? Tu vois ce que je veux dire? Genre, pour moi, si tu fais ça, après tu te bloques un peu pour la suite. Parce que une fois que t'as dit ça, tu dis dans ton grand 2, toutefois la deuxième édition est plus compliquée à analyser. Enfin, tu vois, c'est. Tu peux te perdre en fait dans ta réflexion à cause de ça en fait. Et c'est pour ça que je sais pas si c'est. Si c'est la meilleure des approches à avoir en tout cas. C'est quoi une synthèse et est-elle obligatoire dans un plan dialectique? Dans un plan dialectique, c'est très très important, oui, d'avoir un grand 3 qui, pas synthétise, mais qui ouvre sur quelque autre chose. C'est pas une ouverture, parce que ça reste très très lié au sujet, mais qui ouvre sur une nouvelle perspective, en tout cas grâce à tes deux premières parties, de la lecture de cette œuvre. Ouais, après, ne parle pas des poètes Molière pendant le système, mais c'est pas mal. Écrivain majeur, les gens le savent déjà. Dis juste un poète. Vraiment, faut pas faut pas le classifier dans les poètes maudits. Vaut mieux ne pas le faire que le faire parce qu'il y a beaucoup de, il y a toujours débat en fait dessus. Donc, si vos profs ils vous ont dit ça, bah c'est peut-être pas votre correcteur, il le pensera peut-être pas, tu vois. Et là, tu peux te faire défoncer. Bien sûr qu'on peut parler des odeurs M gamme. Tu rigoles ou quoi? C'est ça, c'est tous les sens qui sont mis à l'épreuve en fait dans Les Fleurs du Mal. Est-ce que je mets quoi en sous-partie quand je parle du spleen? Des tentatives de fuite. Continuel. Moi je révise pas Apollon, c'est ça le truc. C'est ça qui est inquiétant dans le fait que je me sois trompé là. Salut Hugo. Attends, je veux juste répondre à ta question, Kylian. Qu'est-ce que je mets en sous-partie? Alors attendez, je vais commencer à écrire. Un spleen inévitable qui. Ah, une importance omniprésente. Je pense qu'on peut totalement parler de la lutte. Non, attends, on va garder une passante pour le grand 3.
Je vous fais le plan que j'aurais sûrement fait moi-même. Désolé, j'ai un peu arrêté de parler. Dans mes intros, j'ai l'impression que mes amorces durent un peu trop de temps. Mais elles englobent en quelque sorte la présentation du genre, etc. Donc je sais pas si c'est bien de le faire. C'est bien de le faire, mais de manière très concise. Ouais, je vais l'écrire, mon exemple de synthèse magène. Très très concis, ton exposition du truc de l'époque, etc. Vraiment, faut pas trop prendre de temps dessus, parce que c'est là que tu peux te faire avoir, en fait. Tu dis juste vite fait le courant, vite fait l'auteur, même pas ses dates, ses grandes œuvres, sa grande œuvre, celle qu'on abordera aujourd'hui, et bam, et ensuite tu t'attelles au sujet, faut pas trop faire long. Ouais, je l'ai écrit, Élévation Élise. Ouais, c'est pas mal, Parfum Exotique, j'avais zappé. Faut que je leur lise. Quand, les deux yeux fermés en un soir chaud, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Hey, let's go. D'automne, je vois dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Des hommes dont le corps est mince et vigoureux et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des verts tamariniers, qui circule dans l'air et m'enfle la narine, se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Ouais. Ouais. Y a pas de dissertation plus simple que d'autres maths, je pense. C'est la même approche en tout cas qu'il faut avoir, peu importe le sujet. Pour la disserte, ouais, j'aurais dit 3 axes de sous-parties, après ça dépend. Si tu ne vois vraiment pas faire 3 parties et que tu peux faire un plan explicatif, là ça peut ne pas être un problème. Grand 2. J'ai peur de me répéter entre le petit 1 de mon grand 2 et le petit 2 de mon grand 2. Mais ça pourrait être pas mal. Dites-moi si vous avez des trucs que vous trouvez qu'on peut compléter.
Selon toi, quelle est la dissertation la plus simple à réviser? Ah oui, non, pardon, je viens de lire. Le poème Poison pour parler du spleen, c'est bien? Oui, complètement. Complètement, là, moi, j'ai parlé des poèmes que je maîtrise un peu le mieux, mais complètement, si tu maîtrises bien le poison, il n'y a aucun problème. Comment on fait pour reformuler la problématique? Faut que tu adaptes la problématique au plan que tu auras trouvé. Mais normalement, ce plan devrait répondre à la question, mais d'une certaine manière, avec un certain prisme, tu vois. Le plan, c'est un prisme, c'est plusieurs verres, tu vois, qui vont changer la lumière, en fait, et tracer un chemin. Et la lumière de ta réflexion, bien sûr. Et la problématique, tu la formules une fois que tu as fait ton plan, et c'est une problématique qui, qui permet de répondre à la question qui a été posée dans le sujet, mais qui n'est pas exactement cette question, tu vois, mais qui correspond plus au plan que tu auras posé. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu confus. Pour pouvoir retenir des caractères de quoi, Younes? De la bruyère? Est-ce qu'il y a des mentions pour le bac de français? Non, il y a des mentions pour le bac en général, en fait. Tu vois? Et bah, et les épreuves anticipées de français comptent dans le bac général. Ouais, le soleil est très bien pour parler de l'idéal, en effet, Gami. De toute façon, là, ce document-là, je vais le poser, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez travailler dessus, le changer, le modifier, etc., y a aucun problème. Peut-être dire que la création poétique l'anime et que l'art fait partie de son idéal. Ouais. Retenir des caractères de la bruyère, bah si t'en as analysé certains en cours, eux déjà tu les auras sous la main. Sinon, c'est un peu galère, je t'avoue que même moi j'avais un peu galéré à maîtriser les caractères. Salut Alban, t'arrives un peu à la fin du live, mais y a pas de problème. Attendez, je finis juste d'écrire mon grand 3 et vous me direz ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de mon grand 3? Notre prof en français nous a dit qu'on n'était plus obligé de reformuler la question qui nous est déjà posée. En effet, je crois que c'est vrai. Tu peux toujours la reformuler, ça te, rien ne t'en empêche. Mais il me semble aussi que ce que tu dis est vrai, Gami Rester. Je crois que c'est Kozuki, pardon. Et je crois que c'était même déjà le cas quand moi je passais le bac. C'était pas obligatoire de rechanger. Pour l'idéal mystérieux, on peut parler du poème paysage. Ouais, complètement. Mais après, ça c'est à vous de mettre les poèmes que vous connaissez le mieux. Vous voyez, moi j'ai mis ceux que je connais bien. Je vous invite à les lire d'ailleurs, parce que je pense qu'ils sont assez faciles d'accès. Mais oui, totalement. On peut parler des cycles de femmes qu'il aimait, comme le cycle Jeanne Duval. Tu peux en parler dans ton grand 2. Mais faut bien connaître. Oriana, envoie-moi ton intro, je l'ai pas lu, s'il te plaît. Je sais pas, je l'ai peut-être sauté. Faut que tu me dises ou faut que tu me la renvoies, s'il te plaît, Oriana, avec plaisir. Est-ce que tu peux faire une amorce sur beaucoup de choses, mouvement littéraire, anecdote, époque, citation, œuvre, auteur? Moi, je pense que la meilleure, c'est celle par auteur, celle que j'ai donnée tout à l'heure, là, de tel auteur à tel auteur, en passant par tel et tel auteur.
telle question a beaucoup été étudiée ou abordée ou réfléchie en littérature. Point. Très simple et très efficace. Ça tape direct dans le dur, ça monte ta culture, t'as pas besoin de continuer derrière. Enfin, tu vois, c'est vraiment bien. Romain Daniel, avec ma prof, on a vu les fleurs du mal en une semaine. Donc, est-ce que pour toi, des poèmes sont plus importants à connaître que les autres? Bah, moi, je t'aurais dit de lire tous ceux que je t'ai mis là. Je vais en mettre encore d'autres là pour le grand 3. Parce que moi, perso, c'est mes préférés. Mais franchement, le mieux, c'est de prendre le bouquin, de piocher et de te laisser emporter par le truc et d'essayer d'en analyser le plus possible, tu vois, Romain. Je connais très bien ce truc-là où on n'a plus le temps de travailler dessus parce que c'est la fin de l'année et que c'est une galère. Mais faut pas te laisser déconcerter par ça, tu vois. Amir, j'ai jamais compris l'amorce, genre en exemple précis. J'ai envie de retrouver une copie. Mais je sais pas si je vais trouver quoi que ce soit en fait. Parce que j'ai fait le tri dans mes affaires là il y a pas longtemps. Mince, je crois que j'ai rien. Ah, je suis désolé les gars, j'ai rien pour vous. Putain, c'est bête. Attendez, j'ai peut-être trouvé un truc. Attendez deux secondes. J'essaie de vous trouver un truc. J'aimerais bien vous aider aussi. Alors. Deux secondes. Hop. J'essaie de vous trouver un truc, hein. Ah, évidemment, la seule copie que je trouve, c'est une copie où j'ai commencé par une citation. Ah, c'est relou. En fait, je cherche des copies de quand on avait été en distanciel pendant le pendant le Covid. Quel enfer! Oh, c'est pas vrai ça! J'essaye, hein. Je donne tout, les gars. Je suis désolé, je cherche. Je vais jamais y arriver, c'est pas vrai. Non. Je suis vraiment désolé les gars, je trouve rien. J'ai pas d'exemple du coup concret de plan que j'aurais pu mettre
dans mon taf. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'ai jamais compris. Est-ce que tu vas faire un live concernant l'oral? Malheureusement, non. Je fais un live pour le grand oral vendredi. Mais du coup, ça vous concerne pas encore. Après, vous êtes les bienvenus. Mais malheureusement, non, je fais pas de live pour l'oral de français. Est-ce qu'on peut dire dans le grand 3 que même avec ce spleen, Baudelaire essaye encore de rechercher le spleen? Avec l'idéal, que Baudelaire essaye encore de chercher l'idéal, oui. Parce qu'il cherche à tout prix à sortir du spleen. Et c'est pas Baudelaire, c'est le poète. Faire très attention à cette distinction. On est d'accord que, entre parenthèses, ce sont des exemples, mais on n'en choisit que un ou deux par grande partie. Oui, complètement. T'en choisis qu'un ou deux, ou alors si t'as pas assez de choses à dire sur les deux, bah t'en dis un peu sur chacun des deux, tu vois, voilà. Introduction, le romantisme débute lors du 19e siècle, ce qui relie une nostalgie du temps, mais aussi de la femme aimée. Les fleurs du mal est un recueil de 1857 qui retrace la vie mélancolique du poète. Le spleen est une profonde de la vie, profondeur de la vie que que le poète va malheureusement connaître. Cette angoisse va se suivre dans les 6 sections de l'ouvrage. Les fleurs du mal, un recueil du spleen. Le poète face au spleen et qui se transforme en un combat avec l'idéal qui va rejoindre le parcours associé à cette œuvre. Ouais, c'est pas mal comme intro, Oriana. Il y a quelques fautes d'orthographe, malheureusement. Je cerne mal ton accroche. Mais sinon, ça m'a l'air bien, hein. Élise, et les poèmes, est-ce que ça suffit si on donne juste leur nom ou c'est nécessaire de les citer avec précision? Non, tu donnes leur nom, ça suffit. Si tu connais la partie de l'ouvrage dans lequel ils se situent, c'est bien, mais voilà, sinon t'inquiète. En amorce, tu peux parler du procès, complètement. Ah, c'est pas mal ça, M. Retenez bien ça. Je la connaissais pas, cette anecdote. On note fort. En plus, là, ça montre que vous avez une vraie culture et tout, donc c'est vraiment bien. Le spleen est une profonde angoisse de la vie que le poète va malheureusement connaître. Ouais. Après, ça peut être un peu bateau, Oriana, malheureusement. C'est presque un mode de vie, le spleen. Enfin, c'est très très bizarre. C'est difficile de mettre des mots dessus. T'inquiète, Younes, on est tous fatigués là. En fait, j'ai juste genre pas compris le principe de l'amorce. Le principe de l'amorce, c'est un truc qui va mettre une claque à l'interrogateur. Genre le situer, bam, ok. Tu lis 2 lignes, c'est bon, t'es dans le cœur de mon sujet, voilà de quoi je vais parler aujourd'hui. Hop, en une phrase. C'est un truc incisif qui va inciter le lecteur à lire ta copie, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Younes? Non, pardon, Amir. Majed, tu vas faire un plan et ensuite tu vas faire le développement ou pas? Non, je vais pas faire le développement, on n'a pas le temps. On a déjà un peu dépassé là sur le temps, mais moi ça me fait plaisir d'être avec vous. Et puis après, de toute manière, je veux vous dire quelques mots sur l'épreuve qui vous attend jeudi quand même. Mais non, malheureusement, on n'a pas le temps de développer. Et puis c'est pas hyper utile. Et d'ailleurs, même si vous vous entraînez chez vous, je vous déconseille de développer. Je vous conseille de faire des plans, d'en faire un ou deux par jour, de dissertes et de commentaires, enfin comme vous préférez. Mais pas développer, enfin parce que le gros du boulot est au brouillon en fait. La rédaction, elle se fait un peu toute seule si vous avez fait un bon brouillon. Tu vois, Majed. Jeanne, pour le grand 3, peut-on parler du fait qu'il y a d'autres facteurs qui font que sa poésie est moderne? Quels autres facteurs, à ton avis? Enfin, tu parles desquels? M, pour le grand 3, on peut citer les citations qui font référence à l'alchimie poétique. Ouais. Bah, déjà, il y a le haut lecteur. Ou d'emblée. Je vais vous le lire, le haut lecteur, parce qu'il est. C'est fou quoi. D'emblée, Baudelaire, il en a rien à faire, il vous dit tout de suite. Haut lecteur, la sottise, l'erreur, le péché, la lésine occupent nos esprits et travaillent nos corps, et nous alimentons nos aimables remords, comme les mendiants nourrissent leurs vermines. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches, nous nous faisons payer grassement nos aveux, et nous rentrons gaiement dans le chemin bourbeux, croyant par de vils pleurs laver toutes nos tâches. Sur l'oreiller du mal, c'est Satan trismégiste,
qui berce longuement notre esprit enchanté. Et le riche métal de notre volonté est tout vaporisé par ce savant chimiste. C'est le diable qui tient les fils qui nous remuent. Aux objets répugnants, nous trouvons des appâts. Chaque jour, vers l'enfer, nous descendons d'un pas, sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. Ainsi qu'un débauché pauvre qui baise et mange, le saint martyrisé d'une antique catin, nous volons au passage un plaisir clandestin, que nous pressons bien fort comme une vieille orange. Serré, fourmillant, comme un million d'helminthes, dans nos cerveaux ripote un peu un peuple de démons, et quand nous respirons, la mort dans nos poumons descend, fleuve invisible avec de sourdes plaintes. Si le viol, le poison, le poignard, l'incendie n'ont pas encore brodé de leurs plaisants dessins le canevas banal de nos piteux destins, c'est que notre âme, hélas, n'est pas assez hardie. Mais parmi les chacals, les panthères, les lys, les singes, les scorpions, les vautours, les serpents, les monstres glapissants, hurlant, grognant dans la ménagerie infâme de nos vices, rampant, il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde. Quoiqu'il ne pousse ni grand geste, ni grand cri, il ferait volontiers de la terre un débris et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échappaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat. Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Bam. Ça, c'est une accroche, mais à la manière de Baudelaire, et qui accroche pour un truc beaucoup plus long qu'une disserte de première. Mais voilà, c'est... On voit très bien la dualité. Tout... Il fait des reproches à son frère. Enfin, tu vois, c'est très... Tout est dans la dualité. En fait, si vous faites pas un truc sur la dualité dans cette disserte, je pense que vous faites c'est un problème. Ok, je vois, merci, mais le truc, c'est genre, je sais pas, j'ai l'impression, la mort, j'ai zéro idée. Encore une fois, faut aller chercher... Tu cherches d'autres auteurs qui ont fait un truc en lien avec ton sujet, et tu les classes par ordre chronologique, et tu fais de lui à lui au plus récent, en passant par lui et ou lui, enfin bref, en passant par lui, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Et hop, c'est bon, réglé, une phrase, deux lignes, fini. M, la mort, j'avoue, je pourrais pas expliquer clairement ce que c'est, mais c'est une phrase, donc t'inquiète pas trop. Et puis si t'en fais pas, tu vas pas mourir, tu vois. Il y a des sujets à ne pas aborder si on choisit les fleurs du mal comme œuvre à présenter pour l'épreuve orale. C'est-à-dire, Oriana, je comprends pas ta question. Et aussi, on peut faire comme amorce une citation du bouquin, très clairement. Un truc qui vous mettrait au cœur du sujet, ce serait génial. Bah de toute manière, si tu te lances dans une disserte sur une œuvre, vaut mieux la connaître, Amir. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ah pardon, j'avais pas capté que c'était une question, Gamy Restore. C'est complètement vrai ce que tu dis. Si t'as une petite phrase qui cite et qui est en lien avec le sujet de l'œuvre, c'est idéal. Mais d'ailleurs, il n'y a pas un poème qui s'appelle Modernité poétique. Ah non, je dis n'importe quoi.
C'est la réversibilité, le terme qu'il faut absolument connaître pour un truc sur Baudelaire. Pardon. Et c'est aussi le nom d'un poème, c'est pour ça que je le note. C'est comme dans les reportages au début pour introduire avec des phrases en référence au sujet dont on parle. Oui. Il y a des sujets à ne pas aborder. Ouais, Oriana, tu m'as pas réexpliqué ce que ça voulait dire ta question. Pardon. Si on fait une mauvaise amorce, ça peut nous pénaliser ou pas? Je pense pas que ça puisse vous pénaliser ou alors ça peut avoir des effets secondaires pénalisants. Dans le sens où l'amorce en elle-même vous pénalisera pas. Mais si le correcteur il comprend pas pourquoi vous avez fait cette amorce-là, il peut ne rien comprendre à votre copie. Et là, en l'occurrence, ça peut être pénalisant quand même. C'est-à-dire réversibilité, dans quel sens? Bah, attendez. Désolé, on dépasse carrément... Bah du coup ils me font forcément le lien avec le poème de la réversibilité. Bon déjà je vous invite à le lire. On n'a plus assez de temps là les gars, je suis désolé. Mais la réversibilité c'est ça. Je vais vous expliquer du coup avec mes propres mots. La réversibilité c'est la capacité à faire du beau avec du lait avec du beau. Enfin bref, de l'or avec de la boue avec de l'or. Du spleen naît l'idéal et de l'idéal naît le spleen. Tu vois, tout ça c'est de la réversibilité. C'est un truc. Tu vois, genre Harmonie du soir. C'est un poème que je vous invite vraiment à prendre en note. C'est un pantoum, ça s'appelle. Vous chercherez sur internet ce que ça veut dire. Attendez. Hop. Et si vous lâchez ça dans votre. Jeudi, là, c'est une bombe. Hein. Là, le prof, il va être, il va rien comprendre. Le pantoum, c'est un format que vous allez capter direct en lisant le poème, que je n'ai malheureusement plus le temps de vous lire. Ça vous permettra de... Ça montre la réversibilité, en fait. Une manière de... La réversibilité, c'est le fait que chaque chose puisse avoir une perspective très très différente de celle qu'on attend d'elle. Par exemple, une charogne, jusqu'à Baudelaire, on pensait que c'était un truc dégueulasse qui pue, horrible. Enfin, tu vois, les vautours, c'est oh, tu vois, ça fait peur, c'est sale, c'est pas agréable, ça sent pas bon, enfin, tu vois. Et là, bah écoutez, cette charogne, elle est assez poétique. Elle a une certaine beauté dans le poème. Et hop, réversible. Chaque chose est réversible. La boue peut en fait être de l'or, tout dépend de la perspective qu'on lui en donne. L'or peut être de la boue, pareil. Et hop, et c'est ça la réversibilité. Et c'est essentiel d'en parler. Est-ce qu'on peut faire comme amorce une citation du propre livre? Oui, c'est ce que je te disais, Gamy Rester, mais c'est même une très très bonne idée. Si t'as une citation à donner sur le bouquin, qui en plus est en lien avec le sujet, tu fonces, tu mets ça carrément dedans. Et en plus là, Younes, ça te sauve pour la... Je sais plus si c'était Younes ou Amir qui voulait savoir pour l'accroche. Mais ça vous sauve, ça c'est la solution miracle en soi. Si vous avez une citation qui est en lien avec le sujet de l'œuvre, foncez, réfléchissez même pas. Majed, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire que si on met un tout petit peu d'humour dans notre copie, le correcteur peut apprécier et nous rajouter un ou deux points bonus. Faut que ce soit un humour intelligent, faut que ce soit un humour en lien avec le sujet. Fais pas de l'humour juste pour faire de l'humour. Faut que tout ce que tu écris ait du sens et soit en lien avec ta problématique. Donc si en effet tu trouves un moyen de faire un truc marrant en lien avec ta problématique dans le cadre de ta réponse, là oui, pas de problème.
Mais si ça s'y prête pas et que tu forces pour essayer de faire rire le correcteur en disant yes, je vais gagner un ou deux points, tu peux au final perdre un ou deux points, tu vois. C'est ça le truc. Salut Curly, bienvenue. Bah, désolé, t'arrives à la fin du live. Ça aurait été un plaisir d'apprendre à te connaître un peu. Ouais. Bon, les gars, c'est la fin d'une ère courte, mais d'une ère quand même. Je vous souhaite à tous le plus grand des courages et la plus grande des réussites. N'hésitez pas à venir vendredi, au moment où je ferai le live sur le grand oral, pour me dire comment ça s'est passé pour vous, jeudi. On en parlera. Et comme ça, vous me tenez au courant. Et quand vous aurez les résultats, bah, je sais pas, j'essaierai peut-être d'organiser un mini live d'une demi-heure où vous me donnez vos résultats. Et comme ça, on peut en parler ensemble. Mais vraiment, j'ai adoré ces 4 jours avec vous. Merci à tous ceux qui sont venus, à tous. Merci à ceux qui sont venus ne serait-ce qu'une fois, même s'il y en a qui sont plus là aujourd'hui. Ça a été un bonheur, j'ai toute foi en vous. Vous êtes tous plus brillants que les uns que les autres. J'ai énormément de sérénité en vous laissant partir là aujourd'hui et je me dis que vous allez tous d'être ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au bon prof et comme ça, ça les fera remonter à moi et moi je peux vous aider à y répondre. Bien sûr que je mets le truc sur le document, je vous envoie le lien. Sur YouTube, le lien normalement est dans la description du live. Il y a le lien vers le Google Drive où vous avez accès à tous les trucs, toutes les traces écrites de ce qu'on a fait jusqu'à présent pendant pour le bac de français. Et voilà, je pense que vous êtes une promo assez admirable. Ça, c'est un beau parcours que vous avez fait jusqu'à présent et aujourd'hui c'est la première grande étape de. Enfin aujourd'hui, jeudi, ce sera la première grande étape où il faudra faire ses preuves et montrer que son parcours a été beau et digne. Et je suis sûr que vous en serez tous capables. Et voilà, je pense que vous allez tous très très bien vous en sortir. Et voilà. J'ai mis sur le doc, dites-moi si vous voyez. Ah non, attendez, j'ai pas encore mis sur le doc justement, pardon. Hop. Je vous le mets dessus maintenant. Hop là. Ok, normalement là c'est bon, c'est dessus. Pour la réversibilité, c'est le fait de juste pouvoir interchanger ce qui est beau. Et moche, et dans les représentations communes, les choses qui ont été belles jusqu'à présent, elles peuvent être aussi affreuses, et les choses qui ont été affreuses dans les représentations communes peuvent être sublimes, et hop, et c'est ça la réversibilité baudelairienne. Ça, je vous incite à réfléchir dessus jeudi. Le Pantoum, Clem, faut que tu lises sur internet. Tu cherches sur internet et tu lis Harmonie du soir, le poème de Baudelaire, et tu verras ce que c'est. Tu comprendras, même sans chercher sur internet, ce que c'est. Vous verrez techniquement à quel point c'est une masterclass. Curly, est-ce que vous pouvez nous mettre le plan détaillé sur le commentaire du portrait du vieil antiquaire? Oui, bah. Ah oui, ok. Oui, si tu veux, Curly, je le mettrai à jour dans la semaine. Je te promets que je te fais ça, t'inquiète. Merci à vous. Je vous ai mis le lien pour Twitch. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et pour ceux qui sont sur YouTube, normalement, le lien il est sur. Il est dans la description du live, mais attendez, je vais essayer de vous le mettre dans le chat aussi. Hop. Hop. Les gars, je vous kiffe et vraiment, ça m'a fait plaisir de faire ça avec vous aujourd'hui. Enfin, ces 4 jours et j'ai toute sérénité. En voyant ce que vous avez produit là jusqu'à présent, le fait que vous y en ait énormément parmi vous qui étaient déter de travailler sur le commentaire, le plan composé de ce qu'on a fait hier,
enfin le plan composé, le plan détaillé, pardon, et qui m'avait montré des trucs vraiment pas mal aujourd'hui, prometteurs, alors que c'est un truc, un extrait d'une œuvre vraiment pas facile. Trop fier de vous et trop envie de savoir comment ça s'est passé. Tenez, je vous le mets. Hop. Alors normalement ça devrait être envoyé. Ha. Attendez, c'est moi qui mets Ola qui est pas ça. Est-ce que ça passe? C'est trop bizarre. Ah ok, le lien il peut pas partir. Ah oh, c'est relou. Parce qu'il y a des règles. Allez dans la... Ok, faites exactement ce que je fais, ok? Donc là, vous voyez, hop, vous êtes sur le live et il y a le chat, ok? Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur la petite croix pour quitter le chat. Et là, vous ouvrez la petite flèche qui est ici. Et là, vous allez avoir le nombre de vues, la date et tout. Et en, le deuxième lien... Bam, c'est le lien vers le Google Drive, pardon. J'ai du mal. Si vous l'ouvrez, hop, vous êtes sur le Drive. Voilà. Malheureusement, je peux pas le mettre dans le chat de YouTube, Younes. C'est, il y a des règles selon les plateformes. Et il y a certaines plateformes qui autorisent pas le fait de partager des liens dans les chats. Parce que bah, justement, ça peut être des liens frauduleux, tu sais, des bots. Et du coup, tu peux que faire ça comme ça. Après, j'espère que c'était assez clair. Je suis désolé si... Ah bon? Tu l'as mis où, le lien, Younes? Je crois pas que ça se soit affiché, justement. Hein. Parce que moi aussi, j'ai essayé de l'envoyer et ça a pas marché. Tu l'as pas, les fleurs du mal, Younes? Parce que si tu l'as pas, tu cherches juste les noms des poèmes sur internet et tu les trouveras forcément. Ouais, bah écoutez, bonne continuation à vous les gars. Je vous embrasse. Et du coup, ouais, bah revenez vendredi si vous êtes chaud, juste pour, au début du live, pour me dire comment ça s'est passé et tout. On parlera du sujet, évidemment, je regarderai jeudi matin ce sur quoi ça tombe. Et voilà. Bon. Je vous embrasse, essayez de rechoper le truc du drive dans la description du live, normalement c'est pas trop compliqué à faire. Et voilà, gros bisous, bon courage pour jeudi, et voilà, vous allez d'être ça. Allez, ciao ciao.
Thank you.